Haïtien frère monsieur, parole la parler. Zin en mélanger, gen courir dans la République. Ancienne première dame Martine Moïse déplacée. L'aller dans invitation qu'elle te recevoir qui sorti dans pays la Turquie, qui c'est gouvernement pays la Turquie hein, qui te fait invitation. L'aller participer dans sommet. En pile parole en pile dans pays d'Haïti. Les oligarques ont pile de Pétionville dans pays d'Haïti. Yo commencé à faire matraquage. Eh ben, gan pile parole qui parlait. Et Jean qui m'était dit nous ensemble avec ancien premier ministre Claude Joseph, mesdames et messieurs, m'a nous menti, gain causé parler dans la République. Te gain pile dans nous qui t'ai participé dans live là, mais définitivement nous même nous décidé pour nous faut entendre parti qui extrêmement important que ou pas t'a gain temps. Ou pas t'a gain chance t'entendre parce qu'elle était extrêmement longue. Live là t'es plus passé 2 heures de temps. Mais nous râler extrait qui pi important, qui pi mauvais ya, koutou pral jeune intervention, ancien premier ministre Claude Joseph, et toute l'autre plateforme nou yo. Par exemple, nous gen Foukoutak 609, qui sot fait une intervention tête chargée. Nous gen Jimmy Mouna Febo TV, qui sot fait une intervention tête chargée net. Nous gen Boustad Jaune, qui dévoré. Et se comprenne, nous gen yen Tcheko Pepla, qui frappe très très fort. Nous gen yen Eberto Choka dans TV Radio, qui frappe, c'est baga extraordinaire. Nous gagnons, eh bien, Zami Pano, Serviteur Pano, Colonne Pano, Info Beto, avec bon partenaire, mon élément pilant, qui c'est Ralph Laurent, bon bagay, qui sout fait gros bout d'intervention, qui bien mené meeting nan. Eh bien, définitivement, mesdames et messieurs, nous gagnons information dans des blâmes. Prends plaisir, nous, parce que nous pral parler gros ensemble avec nous dans la plateforme ça. Et puis, quand fin temps de vidéo, tout de suite après nous même dans Info Beto, nous tournons ensemble avec nous. Et les gens qui m'ont dit, m'a profité pour me saluer nous, ils sont plaisir pour nous toujours ensemble avec nous sur la plateforme Maman Pemba, qui est la plateforme YouTube Info Beto. En avance, suivez la vidéo et puis nous tournons tout de suite. Qu'est-ce que là? M'a salué nous, m'a salué tout de suite. Bientôt, sous mute. Bientôt, sous mute. M'a salué nous, m'a salué nous, m'a salué tout de suite avec Sum, qui a attendu nous et qui a gardé nous dans le moment ça. Et je dis à nous exactement, 12 mars 2022. Et je dis à penser que, avant que nous commencions, avec tout respect que nous gagnons pour l'institution dans le pays d'Haïti, qui est le PNH, la police nationale d'Haïti, et nous connaissons que, parmi les bons grains, il y a toujours des mauvais grains. Je dis à nous marquer exactement 12 mois. Depuis que nous avons gagné 5 policiers, 5 vaillants garçons, 5 jeunes garçons qui étaient bravés danger, qui étaient dit tête yo, yo a souffrance diaspora haïtienne là. Yo a souffrance peuple haïtien. Yo a souffrance yo même tout qui dans la police là. Yo te dit tête yo, ba yo rentrer dans village de Dieu pour aller essayer mettre l'ordre dans des ordres. Et mes frères et sœurs, 5 messieurs ça yo yo te quitté pour yo sous complicité yon parti nan haut état major la police nationale d'Haïti sous complicité secteur politique la classe politique traditionnelle là dans pays d'Haïti sous complicité nèg ki nan droits humains dans pays d'Haïti qui a fait politique sous complicité les oligarques corrompus qui nan Pétionville dans pays d'Haïti. Haïtien frèm sèm, nous même frèm avec sèm qui sous plateforme là ensemble avec moi. Alors m'pa konnen si ça dérange, si nous prend environ 5 à 10 secondes un petit moment de silence dans le nom, dans la mémoire, 5 policiers. Merci Bertot. Et c'est très bien. Et ça, il n'y a pas de passé, je ne pas oublier, même parce que je m'écris sous les jeux, je pense que c'est un très bon point. Merci en pile parce que. Et vous capable de rappeler nous et mémoire et 5 messieurs qui étaient tombés eux-mêmes dans le village de Dieu dans 12 mars passé. Et vous avez une dernière salutation à faire bientôt pour nous capables de faire Sarah? Évidemment, évidemment, je salue nous tous encore une fois sur la plateforme. C'est un plaisir, vraiment son plaisir pour que nous sommes avec nous. Et je dis, peuple haïtien, ça nous est réveillé justement parce que nous commençons well. Et c'est juste un début. Je pense que nous avons commencé, nous avons continué, porte l'ouvrir, nous avons continué à faire appel ensemble avec toute l'autre frère, avec ce nous.
qui fait le même travail sur les réseaux sociaux. Ça qui arrive avec une différence, mais nous tous, nous avons un point commun. Nous tous, nous avons un seul petit chéri, les Haïti chéri. Encore une fois, femme, c'est un plaisir. Et que je dis, en chacun de nous, nous allons recevoir ancien premier, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien premier ministre paysan, qui c'est docteur Claude Joseph. Encore une fois, messieurs, dames, c'est un plaisir pour que nous sommes avec nous. Merci. Et nous saluons Sarah, qui est avec nous. De Sarah, lui-même qui fait partie de l'équipe Boosta TV, sans surprise. Et une heureuse surprise. Donc, Sarah, qui parle lui-même. Et Corée, on est capable de dire qu'il va le camper comme bois de banane Boosta. Sarah, comment nous y est? Voilà, moi salut nous tous et moi vraiment content parmi nous. Et nous connaissons que nous travaillons en équipe et moi content que rentrer dans la grande famille ça. Et nous disons merci Sarah, merci pour la présence. Et nous passons Foucault lui-même dans deux minutes et TAC 509 qui va introduire. Ancien PM Claude Joseph, Dr. Claude Joseph, qui va introduire. Est-ce que nous confirmer que Dr. Claude Joseph l'a déjà branché et va monter? Et nous souhaitons que PM l'a là et que l'a monté Kounia là. Si nous permettent, nous commencer à faire quelques commentaires pour nous. C'est très important. En attendant que Dr. Claude Joseph lui-même l'a monté directement. Oui, Ralph, Libo en pile. Les nous toutes mettez nous ensemble pour une bataille pour bouter grand monde nous t'est mouri qui t'est pour nous et nous mêmes pour nous continuer bataille pour nous faire plus pour ça qu'a venir. C'est dans l'idée ça et bien toute plateforme ça mettez tête ensemble pour que nous capables réaliser gros débat ça côté gain pile et questions qui pral poser qui en pile bagaille que fanatique yo pral connaît non seulement sous assassinat président Jovenel Moïse sous ensemble de Eve li fait dans pays a et comment travail yo est actuellement et non seulement ça tout pour nous connaître plus de premier ministre Claude Joseph et docteur Claude Joseph Sanglier ministre affaires étrangères Claude Joseph bienvenue tout le monde et c'est un plaisir et bienvenue ensemble avec docteur Claude Joseph. Mais par contre, ça que moi connais que premier ministre là, il est supposé brancher, il était encore une minute, et n'a pas dit non. Non, tendez parler du premier ministre là, et nous connaissons bien pile monde qui peut vous connaître qui est-ce qui est premier ministre là. Et voilà pourquoi je dis à son chasse que nous gagnons pour nous parler de qui est-ce qui est premier ministre là, et qui travaille que le premier ministre a fait pour le pays, a fait pour le pays. Hein? Et c'est avec un joueur qui bientôt nous va si, retrouver nous avec le premier ministre là, qui va parler avec la population. Hein? Et, nous disons tout le monde qui branche nous, ça que nous voyons là, ce n'est pas rien. Partagez live là pour nous. Ça que nous voyons là, ce n'est pas rien. Nous demandons tout le monde qui. Partagez pour nous, partagez chaque grain de nous là, partagez sur WhatsApp, partagez sur Facebook. Il est très important. Bouger, mais. Toute bagaille va entrer dans l'ordre soon, mais nous dit population haïtienne, quel que soit côté que nous y est dans le moment, ça nous ouais là, il va rien. C'est commencement, toi qui es là derrière. Si nous voulons changer le pays d'Haïti, il faut que nous connaissions côté que nous y est, et côté que nous y est, et côté que nous allons. Et bien c'est plus ça là, je dis, qui fait nous là, je dis, pour nous dire population haïtienne, quittez, retendez et retendez. Nous disons que Haïti n'a pas carré comme ça, pour le pari comme ça, c'est nous qu'on nous a pour nous faire pour nous sortir dans sa guerre. Nous disons tout le monde, tout Haïtien, tout Haïtienne, bientôt, n'a pas avec encore. Et pour ce qui est un petit problème technique, apparemment, nous avons introduit Dr. Claude Joseph, nous avons dit qu'il est déjà là, nous avons dit Dr. Claude Joseph, merci, parce que d'abord, il était disponible. Et nous pensons que c'est un grand honneur pour nous avec un si haut dignitaire de l'État et qui lui-même connaît et sans doute qui ça qui a passé dans le pays, qui ça qui cause et tout ça n'a vivé, capable qu'on a pile gain cas. J'appelle même sûr que le connaît et bien libre à le partager avec nous aujourd'hui à Dr. Claude. Et nous te voulons que son femme qui introduit, mais malheureusement, tu as un petit problème technique et Boosta Totijal et tout. Et Dr. Claude, bonsoir, comment nous y est ou dans la plateforme ça aujourd'hui là avec nous? Nous connaissons comme ancien ministre affaires étrangères, ancien premier ministre, mais la population, il t'a même connaît un petit peu plus qui est-ce qui, monsieur
Claude Joseph. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Et m'a salué d'abord et Busta John, Foucault et Beto, Jimmy, Tambou Vérité qui est avec nous et puis Tcheko Bebla. Et moi prends temps pour moi apprécier le travail que nous avons fait. Et comme je te dis, quelques amis, d'abord, dans la diaspora, ils ont vraiment entendu nous et Haïti, ils ont vraiment entendu nous. Et moi-même, et c'était la première expérience que je vais faire et m'attendre nous, c'est avec maman, je me dis, mais je ne peux pas attendre Foucault, ou pas attendre Info Beto, ou pas attendre Jimmy, en fait, tout le monde booste que et parfois moi parle avec lui tout. Et moi, te félicite nous dans le live que je fais tout récemment. Moi, je crois que c'est au nom et peuple haïtien, je te prends et je suis capable de dire droit pour me faire ça parce que. Et effectivement, si ce n'est pas nous-mêmes, et avec quelques alliés, président Jovenel Moïse, mémoire président, nous sommes capables d'effacer l'héritage lié et cause justice pour le président Jovenel Moïse. Je suis certain que nous ne sommes pas là aujourd'hui, ou bien qu'il y a pile monde dans la diaspora qui apprécie le président Jovenel Moïse de façon posthume. C'est après que le film mourut. Mais c'est grâce à nous. Donc, on croit que la nation est reconnaissante envers nous, envers le travail que nous avons fait sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je dis, il faut nous comprendre que, et tout le monde comprend que, et question avec nouvelle technologie de communication, les changes net, les médias traditionnels n'ont pas gagné même poids dans la balance encore. Donc, médias en ligne avec des gens qui ont conviction et qui sont capables de courage, même j'ai avec nous, nous supplanter les médias traditionnels, qui donc gagnent bonnes nouvelles et nouvelles critiques, nous sommes capables de dire c'est nous-mêmes. Et nous sommes capables de dire franchement que ça, c'est, je ne vais pas parler de l'opposition, mais forme ça qui a développé par rapport à ce qu'a fait Haïti aujourd'hui, nous jouons un rôle fondamental là-dedans. Moi, je voulais féliciter nous et pour ça. Et franchement, et c'est pas un travail qui a pris. Et moi, certain que toute famille, président Jovenel Moïse, que je parle avec eux, très reconnaissant envers nous. Et d'ailleurs, ils attendent nous. Nous ça, ils attendent nous, famille président. Moi, capable de dire que en pile alliés président et conseiller président qui est dans le palais national avec l'autre. Qui tendait nous. Donc, ça veut dire que nous représentons seule alternative, je dis, et parce que nous sommes capables de constater que c'est nous-mêmes vraiment qui campé. Et l'autre monde, nous sommes capables de dire, tout simplement, by vague. Et donc, moi, je voulais féliciter nous et pour ça. Rapidement, je voulais répondre à la question et que vous avez posée. Non, je voulais dire que moi-même, moi j'ai fait un bon temps de au pays hein, et parce que le film fait licence moi et en Haïti moi j'ai quitté Haïti m'ta étudier en fait m'ta vivre à l'étranger côté famille moi maman en particulier aux États-Unis côté me font maîtrise en administration publique et puis ensuite moi va faire un doctorat en politique publique après moi va enseigner à l'université aux États-Unis mais particulièrement dans l'université qui est le Fordham University, Long Island University, et je vais arrêter comme professeur invité à une université qui est le UConn, c'est l'université de Connecticut. Donc, c'est là, et président, pendant que je me rappelais un jour soir, il était 9h, combien m'a fait un coup, et puis je recevais un appel qui dit moi que. Et l'état important, si moi intéressé pour moi venir ambassadeur d'Haïti en Argentine. Donc, processus ambassadeur d'Haïti en Argentine, moi venir chargé d'affaires, moi c'est un ambassadeur qui agréé en Argentine. Étant donné que j'ai gagné des difficultés au niveau du Parlement, donc je viens aller comme chargé d'affaires en Espagne. Donc, c'est en Espagne vraiment je viens développer une coopération universitaire. Et de coopération que le président a vraiment apprécié ce travail-là. Donc, je viens de l'élim pour le ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a deux reprises si nous songez. Première fois, je descends à Haïti, sur l'Espagne, pour le ministre des Affaires étrangères. Et
nous songe expérience en parlement, tu es passé devant la chambre des députés, mais et l'en va arriver devant chambre et devant Sénat, nous changer expérience ça, on série de sénateurs t'es venu avec deux bagages qui drôle, yo la gien dans parlement. Donc, il n'y a pas de qu'attendre le gouvernement. Donc, moi, je vais rebousser le chemin. Je vais en Espagne, continuer de travailler comme chargé d'affaires jusqu'à ce que le président vienne régler mon corps. Donc, je vais retourner en Haïti, laisser le Parlement vienne caduque ou bien il vienne dysfonctionnel. Donc, je vais charger le ministre des Affaires étrangères. Et si nous songeons la bataille que menait beaucoup de présidents et les oligarques, les politiciens traditionnels, ils ont cherché. Montrer que le mandat président arrivé 7 février 2021, donc nous avons une bataille et que nous avons activé toute la diplomatie haïtienne pour nous faire bataille ça, parce que ce n'est pas la vérité que nous avons parlé. Donc, je viens de faire une bataille avec beaucoup de présidents et bataille pour nous, parce que nous songeons, il fait 5 ans, 4 ans, combien de temps, avant d'assassiner le président physiquement, mais nous avons une campagne. D'assassiner et côté assassiné caractère président. Donc, c'était monde qui était effectivement beaucoup de président, qui t'a bataille, qui t'a montré effectivement ça, c'est une véritable campagne de dénigrement, c'est une véritable campagne pour assassiner un caractère président. Je nous connais, on a eu une tentative de coup d'État, en pile monde bat quoi, mais coup d'État a abouti avec assassinat président. Et nous connais comment président a venu assassiner dans une situation, condition déplorable. Et c'est deux jours après le film est nommé en premier ministre, mais assassinat tout les passé de, nous sommes capables de dire, un coup d'État dans six pour arriver à assassiner le président dans sept. Donc, sur un ensemble de questions à poser, le président nommé en premier ministre, et soit 20, 48 heures après, il a assassiné. Donc, moi, j'ai joué un rôle pendant qui te permet que nous avons arrêté plusieurs dans les gens qui exécutaient le crime. Mais si on tout connaît jusqu'à jeudi, et question de justice pour le président Jovenel Moïse n'est pas avancé. Et nous connaissons pour qui ça déjà, parce qu'au plus haut niveau de l'État, il y a des gens qui ont soupçon d'implication dans l'assassinat. Et l'autre aspect encore que nous tout connaissons, c'est que tout travail que le président Jovenel Moïse a fait, et oligarchie qui a repris position peu à peu dans l'État, et même voulait effacer l'héritage du président Jovenel Moïse. Je fais un tweet là, et à un post sur Facebook, côté moi montrer et crise que nous avons fait sous barrage Marion, c'est Rage Kounia qui son site qui est abandonné, si nous regardons, c'est Rage Kounia sous lui. Donc ça veut dire que l'oligarchie a commencé à gagner une cause, parce que c'était toujours pour Jepayo, pour être capable de faire, eh bien, il a effacé tout l'héritage de Jovenel Moïse, toute route président a fait. Toute centrale électrique la médiane dans le pays. Donc, ouais, il n'y a pas de travail, il n'y a pas avancé avec l'initiative Zayo. Donc, vraiment, c'est une situation qui est déplorable. Et encore une fois, je félicite nous qui kembe et mémoire ça en vie, qui kembe héritage ça en vie. Merci, Dr. Claude Joseph. Pendant que Dr. Claude Joseph a présenté, il est tout entraînant en pile détail que nous allons pour nous faire Foucault, en pile détail que nous allons considérer. Donc, pendant que Dr. Claude Joseph vini sous sujet barrage Marion, et nous connaissons Foucault en charge pour faire débat avec Dr. Claude et qu'il y a l'autre panéliste qui va poser des questions sous The Président, ça a été fait, ça a été commencé, ça a été intention de faire Foucault. En nous voici. Oui, merci Ralph, et m'a commencé comme ça. Si le proverbe créole l'a dit, eh bien, wap koné, Eve, yon ote, c'est l'elfine mouri. Dans le dossier président Jovenel Moïse, nous capables de citer comme Eve, dans Grand Danse, réparation centrale électrique, qui était 3, qui passait à 6 MW. Dans les Iwa, nous gagnons 24 kWh. Dans Okaï, il était 7 qui passait à 11 MW. Dans NIP, qui était 3, qui passait à 5.4 MW. Dans Tigouave, qui vient 7.2 MW. Et dans Port-au-Prince, depuis plus de 50 l'année, eh bien, tu as gagné une centrale électrique qui t'est construite. Donc, dernier, sa président Jovenel Moïse construit, elle pas même guettant inauguré, donc, lui construit 60 MW. Et c'est 60 MW que lui.
Et question nan a commencé comme ça sous ensemble des œuvres que président Jovenel Moïse te fait. Gagné Kapoti ensemble avec Valière. Travail sa yo qui pas fin fait, c'est toujours nan énergie électrique. Gagné construction. Canal irrigation sous rivière Massacre à divers lots. Gagné diverses usines asphalte qui t'a fait. Gagné projet route. Donc, Premier ministre Claude Joseph, pour bien dire ex-premier ministre, en tant que moun qui t'a dirigé, qui t'est proche, président Jovenel Moïse, avant même yote assassiné. Et après assassinat, c'est ou même qui pral prend la mayole, qui pral prend des décisions en dedans pays. Donc, nous t'a remé qu'on est, comment ou t'es remé pouvoir en tant que responsable, est-ce que projet ça yo qui t'est déjà commencé, eh bien, est-ce que l'argent yo ou pas quitté au non-sens dispo, parce que l'argent t'est déjà placé déjà en côté pour projet puisque t'es déjà commencé. Donc, nous t'a remé qu'on est combien comme qui t'est resté, comment ou t'est remé pouvoir, parce que après 8 mois, président fin assassiné, nous pas ouais rien, nous pas attendre rien. Donc pour passation en fait, nous besoin qu'on ait comment ça dit. Et puis après que ou fin répondre, c'est pral tout Jimmy pour toujours sous question Eve président Jovenel Moïse. Merci beaucoup. Merci à Bill Foucault et ça fait un plaisir que et m'pa connait si DM nan li onti jan lumière bon problème non? Li onti jan et sou te ka fermé rido a pour nous. OK, m'on fait ça. Ok, li mieux là. Bon, ok. Donc, premier bagage, et m'a félicité encore l'autre fois, c'est et Jean, président restitué. M'a capable de dire non. Et le président de l'âme, tout est fort que nous te connaissons l'importance et ensemble de centrales ou bien mini-réseaux que le président a construit et m'a capable de dire en province. Par exemple, pour Cap, Jean nous dit là, nous gagnons et centrale Saint-Philomène là qui n'a au Cap et lui-même c'est à l'ajouter centrale qui sur boulevard et au Cap là donc il était capable lui-même ou bien par courant cette commune Cap-Haïtien et Plaine du Nord Milo Pomago Acule du Nord et puis Limbé Balimbé donc c'est sept communes ça yo qui t'a pas lui-même. Or, tout moteur, tout bagaille là, il n'y a pas jamais fait rien du tout avec vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucun suivi qui fait avec le César. Si on prend par exemple Central et Saint-Raphaël là, eh bien, il a Saint-Raphaël, il a Rankit, Pignon et puis la Victoire. Donc, ça veut dire que c'est encore 4 communes. Et même Jean, nous passons les Iwa. Et nous passer au Cap, et au Cap, si nous voulons, nous passer dans l'île. Donc, véritable, en pile travail que le président a fait. Dans le Nord-Est, par exemple, des usines asphaltio. Donc, le travail, ça a eu, il aurait été au campé. M'apprends rapidement, peut-être que nous allons parler sur lui tout à l'heure, mais m'apprends rapidement et sous et prise sur rivière Massacre. Et Dominicain, autorité dominicaine, fait injonction, il dit carrément depuis Jovenel de là, il demande pour ne pas avancer. Nous dit non, travail que nous faisons, et moi-même, je dis ça plusieurs fois dans la radio, je dis pendant mon République dominicaine ou bien Haïti, je dis que travail ça, il n'est pas violé accord et traité international que nous signons avec la République dominicaine, particulièrement un traité qui est le traité d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage. Que nous signons le 20 février 1929, sous ça nous partager en commun comme ressources. Donc, nous avons fait travail sous rivière Massacre, sous prise que nous avons pris, qui nous avons changé le débit de l'eau. Donc, et ça, moi-même, je suis capable de dire deux bagailles, et Foucault. Et ce n'est pas parce que le budget de l'État a plus l'argent qui fait que le président Jovenel Moïse a fait travail ça. Eh bien, c'est exactement parce que le président a pile volonté. Donc, ça veut dire que même comme même sa président a utilisé, il est toujours là. Donc, c'est volonté qui n'a pas gagné. C'est volonté qui n'a pas gagné.
et qui fait que nous sommes capables de travailler ça ou pas continuer. Ça, tout le monde reconnaît, c'est que provincial, c'est volonté président Jovenel Moïse qui a une impression ou bien intention que c'est important pour les Port-au-Prince. Alors, les Port-au-Prince sont capables de dire non, ils ne sont pas intéressés à ça parce que c'est passion et oligarque. Ils ne sont pas intéressés à travail qu'a fait dans le sud. Ils ne sont pas intéressés à travail qu'a fait dans le nord, dans le nord-est, dans la Tibonite. Ils ne sont pas intéressés à travail qu'a fait dans le nord-ouest. Donc, PIA, c'est République de Port-au-Prince. C'est ça qui fait toute oligarque qui aurait été Port-au-Prince. Et on apprend que il y a deux groupes de monde. Jean, mon monde, il était dit, on spot et nous allons la prochaine fois. Et nous avons vraiment invité le ministre de Travaux publics là, qui est au courant, n'est-ce pas, de l'ensemble de travail que le président a fait. Nous allons que nous inviter. Parce que lui-même, il est en tête d'une organisation et nous sommes capables de dire que c'est les amis de Jomo. Donc, ça me donne un indice, c'est que il y a un groupe monde, il y a un groupe monde qui parle au président Jovenel Moïse, puis faut là dans le Port-au-Prince parce que c'est là oligarque qui gagne, des capables de dire toutes zélio dans Port-au-Prince. Mais lorsqu'il est dans arrière pays, lorsqu'il est dans ça, nous les pays en dehors, le président Jovenel Moïse très apprécié et travail, il est très apprécié. Ça qu'a fait dans mon chien. Et nous sommes capables de dire ensemble de travail que le président a fait. Donc, les gens en province, ils sentent parce qu'ils ont été négligés. Donc, moi, quoi pour me répondre encore à la question, hein, Foucault, effectivement, et toute disposition comme vous là, c'est volonté qui pague. Moi-même, je remets le pouvoir, donc on a qui condition que je remets le pouvoir. Je remets le pouvoir parce que les moins et l'ouvrisieux, moi, remarqué que. Eh bien, tout secteur qui organise et qui tue le président Jovenel Moïse là, qui de sac de bon côté nous, qui de sac pas de bon côté nous, ils font seul. Et moi, je viens remarquer à certains niveaux que je commence seul. Et tout ça qui a fait comme pression, pas de gagner support. Par exemple, pas de gagner support. Et si effectivement, moi, je connais de gagner support de groupes organisés dans la société, qui pour te camper projet président Jovenel Moïse en vie. Donc, je pense que la situation est cavée. Et si nous connaissons tout, que le monde que le président Jovenel Moïse a choisi, il n'y a pas de gagner, nous n'est capable de dire aucune volonté pour continuer à travailler Jovenel et éventuellement participer à l'assassinat du président. Donc, je crois que la situation est comme ça, effectivement, est différente. D'accord, merci. Voilà, et moi-même, ma première question pour le docteur. Changer l'image, non? Oui, Jimmy, où m'est-on allé? Sorry, et bon, mon second, si vous permettez, moi, Jimmy, et n'a pas salué présence Cadence TV Radio et Bertrand Chan qui arrive rejoindre nous et dans le panel là. Merci, Cadence TV, pour présence qui arrive rejoindre nous et nous très contents. Où m'est-on continué, Jimmy? Merci un peu. Tout d'abord, on a pu remercier Dr. Claude Joseph et c'est sûr, c'est un bon que ça fait nos plaisirs en pile, mesdames, messieurs. Et nous dit docteur, eh bien, le chouchou du peuple, ça paraît souvent que y a un ancien ministre, affaires étrangères qui a quitté le pouvoir pour que tout le monde n'a pas applaudi. Donc, tout d'abord, on a dit bravo, docteur, ça fait nous plaisir parce qu'on représente Genesland. On a regardé ça qui a passé dans le pays Chili là, nous avons son nouveau président qui est élu. Et ou même comme jeune, eh bien, ça dans nos histoires, parce que grand pile de monde qui a entendu nous là, qui découragé, ou qu'on est, il y a rentré dans l'âge, mais ou même, c'est un jeune qui est bien, on a dû continuer comme ça. Tout d'abord, question par nous, là, rentrer dans le même cadre, Ève au président, mesdames, messieurs, ou qu'on est là, parler de Ève au président, eh bien, président Jovenel, et c'est sûr, c'est un fort pile bel travail, donc on est qu'il tape travail sur question agriculture. Et monsieur le Premier ministre, comment comprendre ça à beaucoup de ports? Tout travail électricité, président Jovenel, est fait, ou même comme ancien Premier ministre, qui est-ce que vous pensez qui est capable de continuer de travailler ça? Travail que président Jovenel a commencé, hein? Qui est-ce, docteur Claude Joseph, qui est capable de continuer de travailler ça, frère? Parce que ça, c'est important. Là, on a parlé des projets innovation pour 25 ans, pour 30 ans, Dr. Claude Joseph, avec un pile respect, qui est-ce, ou pensez,
capable de poursuivre le travail ça. Bon, et je vais essayer. Merci, merci Jimmy. Mon affaire bon civil. Je vais essayer de faire un effort pour moi et être capable de son diplomatie et pour me répondre à la question ça. Moi crois que le président a une équipe qui toujours est sincère avec lui. Ouais, moi crois que le président a une équipe monde qui toujours est sincère avec elle dont un nom qui l'a mais on est capable de dire dans cette équipe ça, il y a un monde qui est plus important pour le président c'est madame. Et moi crois que madame président et lui-même elle il connaît, il dormi à projet, il dormi avec et président, il dormi à crève président. Il levé à crève président. Moi-même et suis capable de dire loyauté avec le président, il continuer dans la loyauté dans l'équipe ça, mais particulièrement à madame président lui-même qui a pour moi-même est bien vraiment bien placé pour être capable et continuer et mais j'aime d'où là et toute équipe et moi crois que ça m'a dit là, il peut-être refléter n'est-ce pas non dans ça et de l'autre monde est senti et sous question et on ta capable dit travail président continue quel que soit monde là qui pourra continuer travail ça li besoin équipe avec li besoin nous même qui l'a avec li comme monde qui a fait sensibilisation ça auprès de population parce que si président Jovenel Moïse te mette accent sous de monde tant nous et on t'a capable dire peut-être c'est après nous ça mais et moi crois que pendant que médias traditionnels yo ou bien oligarques yo a utilisé une série de l'autre canal mais nous mêmes oligarques yo pas arriver sur nous parce que ce travail n'a fait avec conviction et c'est ça qui est important moi crois que qu'on équipe moi crois que équipe la diversifier moi crois dans moment gagne plusieurs monde qui a fait plusieurs bagailles mais moi crois que moment où yo mettre tête ensemble pour dire qui monde qui va continuer travail ça équipe là a décidé effectivement mais il est évident que moi estime que madame président gagne en pile courage après que assassin yo vinn faire président ça yo fait là et que madame non tourner Haïti li campé ferme donc on croit que nous capable de miser sous courage et détermination madame et Jovenel Moïse et l'ancienne première dame. Merci. Nous allons écouter Infoberto dans le moment. Infoberto. Et encore une fois, ok. Et encore une fois, m'a salué nous toutes qui sont sur le panel là. M'a salué et Berto Chon qui est à peine arrivé. M'a salué où? Et m'a salué toutes frères avec Sœur qui live ensemble avec nous sur toute plateforme yo. Et encore une fois PM m'a salué ou nous connaissons déjà non pas c'est Berto m'a rappelé ou en direct sur plateforme YouTube Info Berto hein, plateforme Maman Pemba, plateforme qui pas pêche là, plateforme qui dit Jean-Yéa, plateforme qui gagne canson dans taille là, plateforme qui dit vérité Jean-Pierre Lier. Et moi même PM moi question pas maintenant c'est suite avec live ou t'es fait avant hier là. Côté que ou t'as parlé de espace territorial. Plus précisément, muraille ça, clôture ça que la République dominicaine a fait entre frontières nous, frontières qui ensemble avec nous. Et que ou t'as dit pas de pièce contrôle. Tout le monde constate vraiment pas de pièce contrôle. Ou t'as évoqué de gouvernement haïtien qui servit de porte-parole pour gouvernement dominicain dans la question muraille ça. Nous tendez. Moi-même, ça qui est important pour moi là, clôture a commencé. Et au même, y a pas nous-mêmes là, nous commençons au travail comme si t'as toute classe monde ça va grand-bas faire politique là. Là, un gouvernement commence au travail, l'autre gouvernement vini, il campe là. Depuis qu'elle commence là, elle a continué. Moi-même, question pas pour PM, est-ce que si la République dominicaine pas respecté tout traité ça yo, que nous t'es signé ensemble avec eux, ou t'es évoqué, traité nous t'es signé 21 janvier 1929. Ou aller pour dire 27 février 1935, n'aller au-delà toujours pour arriver et 29 mars 1936. Tout traité ça, nous signons ensemble avec eux. Si par exemple, il n'y a pas respecté yon là-dedans, yo. Qui ça a fait après qu'on construit Mirai ça?
ou du moins encore une fois pour aller plus loin, qui instance qui placé pour t'avoir les oreilles pour t'avoir halté là ou du moins qui pour t'avoir fait étude sous espace pour sous délimitation ça sous bonne nous ensemble avec yo qui espace qui pour t'avoir dit exactement mais qui étude qui t'a fait d'après telle étude mais parti qui pour Haïti a pas arrivé dans bonne ça pas arrivé là pas arrivé là et si on t'arrive là qui ça qu'a fait après yo fin construit et Mirail en PM c'était question ça. Merci, merci à Bill Beto. Je salue tout le monde qui est sur la plateforme Info Beto. Même Jean Mouefel pour toute l'autre plateforme. Et Cadence TV, Cadence Info qui fait que arriver là. Je vais parler de Hébert Tochon. Alors, et moi-même, et je me dis là, il y a un ensemble de conventions et traités et accords que nous signons avec la République dominicaine. Depuis longtemps, parce que le problème, ça a été toujours posé. D'ailleurs, c'est après nous avons signé un accord en 1935, là, 20 février 1935, là, qui fait qu'une ville d'un coup, Inch, retournait pour nous, qui fait que nous avons gagné 27 750 km². C'est-à-dire que l'accord, ça a eu, permet que nous établissions des bonnes frontières. Bonio, c'est yo qui limite les frontières, qui dit même pratique pour la République dominicaine, mais pratique pour nous. Bon ça yo, et quoi m'te dit là, et j'en sou dit tout à l'heure, et bientôt, gagné et traité et 1929 là, c'est traité 21 janvier 1929 là. Gagné, on le traité qui c'est 20 février 1935, mais gagné un accord additionnel que nous signons au traité du 21 janvier 1929, qui lui-même ici le 9 mars 1936. Tout ça a permis que nous disions, partie ça c'est pour nous, partie ça c'est pour la République dominicaine. Mais sauf que ça permet de nous dire, mais ça partie pas nous, mais ça partie de la République dominicaine, c'est bon, il y a un pile là-dedans qui disparaît. Par exemple, moi t'ai parlé de deux, trois bonnes. Il y a une bonne, c'est bonne 251, il y a une bonne 240 avec 241 qui est en bas de l'eau. Donc, nous pas ouais ou bien qui en batte, gen kan bat l'eau, et en réalité, gen plus que toi. Donc, si nous parlons bon yo, à partir de qui ça, la République dominicaine, même a fait, et nous t'a capable de dire, frontière, et il a fait mur là. Est-ce que mur, il n'y a pas pris sous partie par nous? Or, il arrive que l'autorité haïtienne, yo, yo incapable, et c'est de moun le arrivé devant blanc, yo mette tête yo à terre, yo incapable pour yo faire une bon genre discussion avec l'autorité République dominicaine. Yo. Au lieu de faire ça, ou est-ce qu'il a fait porte-parole République dominicaine, et puis c'est en liesse, il est content pour dire que République dominicaine a fait un mur qui est électrifié. Mais c'est une absurdité. C'est une absurdité. Dans le moment, ça, c'est vrai, et République dominicaine a fait mur, mais dans tout côté, mur a fait dans l'histoire. Si on relève mur de la haine, mur de la honte, c'est mur de division. Donc, c'est pour moi, nous avons besoin de pont, c'est pas pour moi, nous avons besoin de mur. Mais de toute façon, il a fait mur, il n'y a pas de problème, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire porte-parole. Les actions que ça a produit dans un pays qui a un monde qui est patriote, dans un pays qui a un monde qui comprend, et bien, le gouvernement, ça, c'est rapide pour démissionner parce que il n'est pas capable de défendre les intérêts supérieurs de la nation. C'est peut-être ça, moi-même, le ministre des Affaires étrangères, moi, j'ai des positions claires avec Dominicain. Ce n'est pas parce que je ne parle pas, au contraire, c'est frère, nous, oui. Dominicain, le peuple dominicain, c'est frère. Mais l'autorité dominicaine, yo, chaque fois qu'il y a fait du bagage qui raciste avec nous, chaque fois qu'il y a fait du bagage qui condescendant, il faut nous stopper. Il faut nous stopper. Moi-même, je suis chita dans le palais de la République dominicaine avec Abinadel. Je suis demandé pour un discours officiel, il y a eu l'histoire de parler Haïti avec Haïtien mal. Nous sommes venus à ça, de faire un pile bruit dans la République dominicaine. Moi, je suis venu en Haïti, je suis campé pour moi. Et il y a des positions où ça, Ariel Defense, c'est un émissaire, il est dévoué pour demander Dominicain au pardon. Ça veut dire que moi-même, je crois dans l'intérêt supérieur de la nation haïtienne. Il faut me défendre, quel que soit sa privé. Ce n'est pas mon job qui vous fait me défendre les intérêts supérieurs de la nation. Donc, malheureusement, j'en ai dit, l'autorité République dominicaine, bientôt, et l'autorité haïtienne, ils ne sont pas intéressés à ça. Au contraire, son transition qui est dans la tête li, de monde qui a soupçon d'assassinat. Donc, ils sont prêts pour faire n'importe alliance pour être capable de retenir ce pouvoir parce que si ils participent effectivement à l'assassinat du président Jovenel Moïse, ils ne sont pas de monde qui est crédible. Donc, tant qu'ils sont capables de jouer une bonne grâce étrangère,
étant la pire pour eux, donc pas qu'à camper face avec eux. Bon, Ralph, nous pas le passer du coup à Bayan. J'ai dit mon affaire bon. Et un moment, et ok, moi quoi c'est effectivement. Et Jimmy, qui a un point parlé, ou bien question parlé, ou bien commenté parlé sur le même dossier, ça? Yes. Oui, exactement. Exactement. Et, monsieur PM, exactement. Bon, dans le cadre de recherche que nous faisons, mesdames, messieurs, nous connaissons qu'à Haïti, nous avons à peu près 3,183 ou 3,186 bonnes. Et question que bientôt tu poses à peu près, et bon, on connaît qu'il y a des gens qui peut-être pas comme ça, mais si nous faisons appel avec nos firmes internationales, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, il est possible, même que nous avons bas de l'eau, nous avons retrouvé quand même. Et oui. Ça, c'est dans le cadre de recherche. Nous. Donc, c'est une raison qui fait que nous disons qu'il faut que nous continuions la bataille là, et nous, que même ou bien, ou c'est un monde qui est fiable et pour battre ça. Donc, nous avons continué comme ça tout. Mais et, si nous confirmons international, vraiment, là, possible pour nous retrouver bonne ça, parce que nous n'avons pas qu'à continuer comme ça. Parce que, gardez bien, mesdames, messieurs, sous qui prêt, gardez sous qui est actuellement que le président dominicain a décidé et mettre le mur. C'est pendant pas grand président. Nous comprenons bien. Donc, pas grand écrivez par hasard. Donc, c'est ça, c'est plus une suggestion de développer pour côté EPM. Oui, merci. Alors, nous avons ajouté rapide pour me dire, pour me finir avec réponse à la question et Bétoa. Effectivement, si vous continuez, et malgré, par exemple, et nous sommes capables de ne pas respecter les normes internationales. Ça, nous a fait, c'est recours là, c'est l'Organisation des États américains. Ouais. Donc, même gens, sous question d'identité, et nous songer, les autres nationalités ou ensemble d'Haïtiens, etc., ou bien Dominique même. Donc, nous avons fait des recours. Donc, moi, quoi que je dis encore, nous avons des recours auprès des instances internationales, dont. Et nous sommes capables de dire OEA et plusieurs autres. Mais également, et pour Haïtiens, eux-mêmes, ils font sentir. Et tout ça, nous avons dit là, et nous croyons que nous avons partagé la même opinion avec nous, nous devons avoir des rapports de bon voisinage avec la République dominicaine. Nous ne sommes pas en guerre avec une nation qui est sur la même île avec nous. Nous-mêmes, nous ne sommes pas même ultranationalistes dominicains. Donc, nous voulons des rapports de bon voisinage. Au contraire, c'est ultranationalistes dominicains qui ont fait force pour faire le gouvernement ça. Et Dominique et autorité dominicaine yo faire une série de bagages que vous pas de faire. Ouais, donc nous même faut nous camper face avec yo. Oui, merci Jimmy, merci docteur Claude, n'a continué avancer. Nous parler déjà de Zev président, nous parler de bonne République dominicaine. Nous parler de avec Foucault de questions électrification de l'île. Et nous sommes capables de dire de Haïti par le président Jovenel Moïse, Jodian, qui depuis l'été vivant jusqu'à après l'assassinat, continue à frapper avec de grands obstacles. Nous sommes capables de dire tout ça, président Jovenel Moïse, tu as commencé à faire ou bien tu as fait, eh bien, il continue à être, eh bien, oligarchie, les météos en veilleuse. Kounia, nous allons passer dans le domaine. Insécurité à Dr. Claude, qui lui-même, c'est un véritable héritage que le tournait depuis au moins 36 dernières années. L'insécurité en Haïti, il vient tourner un commerce, une entreprise, un business, une âme de combat et politique. Je dis, parce que Foucault va essayer de parler avec vous.